Ah ouais, mais c'est un peu le son. Yeah.
fait de la rencontre depuis de nombreuses années et qu'on voit tous les ans avec et puisque un membre du club des mouettes ne peut jamais se séparer de sa acolyte, j'appelle Vincent Desbois, franchement il a une vision de place à 64 points. Une très belle manière qui malheureusement ne peut plus exprimer correctement et on espère le revoir passer à la 17ème place. Qu'ils l'ont trouvée à la fois élégante, discrète et sobre. Le Viper de Frédéric Chaumeil. Qui est à la 12e place avec 107 points. Bravo en tout cas. 11e place, je vous disais tout à l'heure qu'on n'avait jamais refusé d'inscrire des machines un peu particulières. La mouette de Patrick Jacquillon à la 11e place. Bravo les mouettes. J'arrive à la 10e place. On est bien d'accord. Non, c'est pas pour toi, Jean-Pierre. Pique pas la bouteille. Je vous le disais, donc on arrive au milieu du classement, à la 10e place, le P61 Black Widow de Pierre-Georges, 116 points. Un avion qu'on connaît déjà bien et qui a encore une fois eh bien, montré son domaine de vol. 9e place, 117 points pour le petit vampire de Jean-François Berger. Il est dans la France. Il est dans le trou lui aussi, mais ça se fait pas ça.